Une police proche de la population doit être en bonne santé pour la protection de tous. Une réalité à base de cette initiative du gouvernement de la République et ses partenaires, dont la Banque mondiale, au travers le projet de développement du système de santé PDSS. La séance a été présidée par le ministre de la Santé, Jean-Jacques Mungani, en présence du vice-ministre de l'Intérieur, Jean-Claude Molipé, et le commissaire général adjoint de la police nationale congolaise chargé des opérations, le général Patience Siav. Prenons la balle au bon, après échange, ça n'est suivi. Aussitôt la vaccination des policiers, prêts à s'y conformer. Le premier d'entre eux, le commissaire supérieur principal Pierrot Mwanamputu, porte-parole de la PNC. Ce dernier qui a pris le vaccin Moderna s'est réjoui de sa vaccination et a appelé les policiers et leurs dépendants à faire de même. C'est un grand message que nous sommes en train, n'est-ce pas, d'envoyer auprès de la population, nécessairement les policiers. Parce que le policier, lui, est en contact avec la population. Si le policier est rassuré que les autorités de la police et la police s'est fait vacciner, ben, les agents de police vont suivre. Nous sommes en train de rassurer la troupe, les agents de la police, que le vaccin, c'est pour nous donner une immunité collective. Il faut rappeler qu'en République démocratique du Congo, concernant la lutte contre la pandémie, le taux de létalité reste faible, soit 1,9%. Le gouvernement insiste sur la vaccination pour prévenir la nouvelle vague qui s'annonce, dans l'espoir de la contenir, d'où les récentes mesures édictées. Ainsi, la sensibilisation se poursuit.